Le château a une structure du 15e siècle et il est construit sur un manoir préexistant d'époque normande. Originairement, il était de forme quadrilatère et il avait quatre tours placées aux quatre coins. Dans la première moitié du 16e siècle, la famille feudataire des Ptolémées s'occupa de rénover les châteaux en l'affinant avec une importante œuvre de relooking, en supprimant les éléments architectoniques étroitement liés aux fonctions de défense. Dans l'aire d'accès à la façade principale, il y a un grand portail de matrice napolitaine, surmonté de l'écusson de la famille Basotto et datant de la même période de rénovation de l'édifice, en 1770. D'abord, la tour du château était beaucoup plus grande et partiellement concernée par la présence de l'église mère de la ville dédiée à Saint-Georges. Il est très élégant et raffiné, embelli par une galerie avec des arcs en plein centre qui reposent sur des colonnes individuelles soutenues par des bases carrées.